Voilà pour le reste de l'actualité, retour ici à l'Alp Arena, regardez. On a eu Philippe Vial tout à l'heure, Jérôme Escalier. Jérôme. Et quel mot vient à l'esprit? Aucun, ouais, voilà. C'était... Si on vous avait dit ça en début de saison, vous auriez dit oui, c'est ça, ouais, on verra dans 2 ans. Ouais, même dans 4 ans, dans 5 ans, je pensais pas qu'on pouvait y arriver. Bravo à tous, bravo, bravo. Équipe fabuleuse. Et pas simplement joueurs, hein, c'est ça, c'est un club, c'est le staff. Tout le monde, tout ça, bravo, tout ça. Merci. Il va pouvoir enfin se raser, bravo à vous, bravo. Bravo, c'est superbe. Vraiment, quel beau parcours. Vous le savez, hein, la plaisanterie, c'était qu'ils sont tous barbus ou quasiment, il n'y en a qu'un. Voilà, c'était pour conjurer le mauvais sort, le gris-gris, pour arriver jusqu'à cette victoire. Eh bien, les gars pensés l'ont fait. C'est une patinoire qui saute de joie, voilà, avec Dominique Pelou. Il y a une petite larme chez notre consultant. Normal, ça fait longtemps qu'on attendait ça. C'est extraordinaire. Vraiment, mais parce que... Vous êtes spécialiste de hockey, moi je le suis pas, mais moi si on m'avait dit début de saison les gars pensaient en première année avec Luciano, ils sont champions, j'aurais pas parié. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a la communion de toute une ville, de toute une région, les gens viennent d'un peu partout, il y a 200 personnes qui viennent d'Épinal pour communier avec leur équipe, les gars pensaient sont tous venus au rendez-vous, c'est extraordinaire, bravo aux joueurs, bravo aux dirigeants, bravo à toute l'équipe, c'est extraordinaire. Et lorsqu'on s'aperçoit que 2 années consécutives, les Walpins sont champions de France de hockey, ça a du sens aussi. Briançon et maintenant Gade, ça a beaucoup de sens. Oui, ça a du sens parce que ça fait tellement longtemps que le hockey est présent dans les Hautes-Alpes, que les gens s'investissent, que les gamins s'investissent, qu'il y a du hockey et que tout le monde fait des efforts extraordinaires pour arriver au bout. Arriver au bout, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et c'est vrai que ce soir, c'est la fête de la ville, des joueurs, des dirigeants et de l'ensemble des gens qui suivent le hockey depuis toujours. Voilà, les Hautes-Alpes, Briançon et Gap pour cette saison évidemment, terre de hockey, de département numéro 1 évidemment pour le hockey sur glace. On a pris une revanche pour quelques mauvaises années avec Rouen, etc. Hein. On a repris la main. Il est temps que les villes de montagne reprennent le dessus parce qu'on avait marre des villes de plaine qui n'arrêtaient pas de gagner. Et bravo les gens des Alpes qui ont du cœur, qui ont du courage et bravo à eux. Bravo Dominique, venez on va suivre les rapaces. Grâce à Xavier, et la voilà, regardez cette Ligue Magnus, regardez ce moment historique pour le sport gapensé. On est tellement, tellement heureux pour eux, regardez ce grand moment de l'histoire du sport et du hockey sur glace ou alpin. Depuis 78, on ne l'avait pas vu. C'est un moment véritablement extraordinaire que nous vivons tous ensemble ici et sur DC TV. On va suivre un petit peu, évidemment, les rapaces qui vont faire le tour de la patinoire et de l'Alp Arena. Moment magique l'on vit tous ensemble. Et pendant que les joueurs font le tour de la patinoire, y a un peu de larmes aux yeux forcément. Un petit peu de larmes aux yeux. Bah oui, c'est beaucoup d'émotions. On a joué une belle équipe d'Épinal. Ils n'ont rien lâché. On a vu ce soir qu'ils sont venus ici pour gagner ce match-là. On était prêts. On a laissé passer l'orage en début de match. Et voilà. On l'a mérité, on a travaillé pour ça et on est heureux. On est heureux pour Gap, pour tout, pour le département, pour tout le monde. Et tout le monde le dit, c'est pas volé, hein, c'est ça, voilà. Il y a quelquefois des compétitions, ça se joue à rien, il y a une espèce de regret, là c'est clair net. Non, c'est ça, et puis on a effectué un énorme travail tout au long de la saison. Ça a commencé depuis le mois d'août l'année dernière. Avec Luciano, on était impressionnés du travail, du rendement de l'équipe dès le départ. Et ça s'est concrétisé tout au long de l'année. À chaque fois qu'on avait un obstacle, on était capable de rebondir et de passer outre. Donc voilà, c'est l'aboutissement d'une saison pleine. Bravo à vous. Alors on revient ici sur la glace de l'Alp Arena dans un instant. Pour l'instant, on va passer en revue les autres temps forts de ce week-end. Pascal, les chasses aux œufs, les messes, etc. On revient ici à l'Alp Arena tout de suite.